Salut les make upines, je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler de... Aujourd'hui on va parler, je vais pas faire de tuto, et je vais vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement puisque je l'ai vécu et je sais que beaucoup d'entre vous en sont aussi, comment dirais-je, vivent la même chose, ressentent la même chose et doivent se battre contre toutes ces choses-là. Donc vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je vais parler du poids, de mon problème de poids, de comment j'ai vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai décidé de changer. Et en fait on va repartir des années en arrière et on va repartir quand j'avais 14-15 ans. Et quand j'avais 14-15 ans, je mesurais 1m72 et je pesais 68 kg. Donc autant vous dire que j'étais absolument pas grosse. Et je me trimballais avec mes petits débardeurs, nombril à l'air, bref, tout allait bien. Sauf que le monde cruel de l'adolescence a décidé que 1m72 pour 68 kg, c'était trop gros. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à beaucoup se moquer de moi. On s'est aussi beaucoup moqué de mon physique à cause de mon nez, parce que j'ai un nez épaté, alors j'étais le cochon. Enfin, vous voyez, le genre de truc hyper intelligent que peuvent faire les enfants. Sauf que j'ai toujours réussi à passer outre ça, et le poids, en fait, ça m'a complètement démontée. C'est-à-dire qu'on a commencé à se moquer de moi, on a commencé à... Je sais même pas de qui c'est parti, ni pourquoi c'est parti. On a commencé à se moquer de moi, à penser que j'étais pas quelqu'un de bien parce que j'étais trop grosse, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et à partir de là, j'ai commencé à enchaîner les régimes. Et donc du coup, je me disais, ben en fait, oui, je me vois pas telle que je suis. Je suis grosse et il faut que je me mette au régime. Donc j'ai commencé à faire des régimes, ou du moins pas des régimes, j'ai commencé à ne plus m'alimenter correctement. Donc soit je mangeais pas, enfin voilà, c'était du grand n'importe quoi, c'était un peu freestyle. Surtout pour essayer de rentrer dans la norme et d'essayer de plaire à des gens à qui j'avais pas à plaire. Mais on fait des choses, quand on est adolescent, on est un peu stupide. Bref, j'ai fait fixer sur mon poids, mais ça allait encore, j'ai pas grossi, j'ai pas... ça allait. Je suis restée comme ça jusqu'à quelques années après. Et en fait, quelques années, le moment. Donc suite à ça, j'ai eu une pilule. Et cette pilule n'était absolument pas adaptée pour moi. Et cette pilule m'a fait prendre 10 kilos. Et je ne me suis plus trop posé de questions. J'étais avec mon chéri de l'époque. On faisait des restos. Je ne me préoccupais pas trop de ce qu'était mon poids. Je ne me regardais plus trop dans le miroir. Je m'aimais bien, mais ça s'arrêtait là. Je savais que j'avais des kilos en trop, je savais que j'avais changé de taille de pantalon, ma balance était devenue ma meilleure ennemie, donc on n'est plus resté très copines. Et puis les choses ont fait ce qu'elles ont été, et puis j'ai grossi jusqu'au point de non-retour. Et je ne me voyais pas grossir, c'est-à-dire que j'avais beau savoir que j'étais grosse, que j'avais changé de pantalon, mes tailles avaient beaucoup augmenté et tout ça. Non seulement on me disait mais non t'es pas grosse, t'es bien comme t'es, en plus t'as de la chance, t'es grande, s'il vous plaît pitié quoi, t'as de la chance, t'es grande, ouais je suis grande mais je suis grosse aussi hein. C'est le genre de truc qui m'a le plus exaspérée, c'est qu'on vous dise non mais c'est bon, t'as de la chance, t'es grande, toi ça se voit pas, bah, c'est une blague, tu me vois pas grosse là, tu vois pas les bourrelets qui dépassent. Enfin bon, bref, c'est le genre de truc qui m'énervait et je rebondissais pas trop là-dessus parce que ça n'en valait pas la peine, il y avait d'autres choses contre lesquelles se battre. Et j'étais plutôt en paix avec moi-même. J'ai rencontré l'homme de ma vie avec un fort surpoids. Aujourd'hui c'est le père de mes enfants, donc ça l'a pas empêché de m'aimer telle que j'étais. Et il faut dire que la seule personne qui ne s'aimait pas, c'était moi. Donc disons que je m'aimais bien de là à de là. Ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi je suis avec la brosse. Mais après je galérais pour trouver des fringues, je galérais pour trouver des chaussures parce que je suis du 41 et comme on grossit de partout, on grossit aussi des pieds et du coup je trouvais pas de pompe, enfin bon bref, c'était une galère sans nom. Mais j'étais quand même assez en paix avec moi-même, disons que j'étais fatiguée d'être grosse, je me plaisais pas parce que je pouvais pas trouver les vêtements que je voulais, mais j'étais pas au point de me détester quoi. C'était, les gens ils diront ce qu'ils veulent, moi je m'en fous, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, et puis voilà. Mais je faisais quand même des régimes parce que honnêtement j'avais envie d'être plus mince, j'avais envie de me plaire plus, j'avais envie de faire plus avec mon chéri,
de lui plaire plus, de me balader plus, de faire des randos, de faire tout ce que je pouvais pas faire parce que ça m'épuisait, ça me faisait mal aux chevilles, aux genoux. C'était juste une horreur. Et donc je faisais des régimes et des régimes sur régime sur régime, ça a été infructueux. J'ai fait du camp et ça a été juste une horreur parce que du camp c'est vraiment une grosse merde et je le déconseille à tout le monde. Ça met les gens sur les nerfs, ça provoque des problèmes de santé. J'ai eu de la chance et je touche du bois de pas en avoir eu. Mais vraiment, vraiment, c'est pas une bonne chose. Et évidemment, quand on arrête un régime, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on reprend ce qu'on a perdu comme poids, voire le double. Et c'est vraiment pas un bon plan de faire un régime. Bref. Du coup, j'étais décidée à rester comme ça. Et puis, tout de même, j'avais cette idée dans la tête depuis une dizaine d'années de me faire opérer. Alors, je savais qu'il existait l'anneau et j'étais partie pour me faire opérer pour ça. Me faire placer un anneau sur l'estomac. Parce que mon problème à moi, c'était pas que je mangeais mal, du moins pas trop mal, ou que je grignotais. Je grignote pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Mon problème, c'est que j'avais tout le temps faim. C'est-à-dire que j'étais à table et j'avais un estomac, c'était un gros sac vide, mais trop gros, plus gros que la normale. Il fallait que je le remplisse parce que j'avais faim, vraiment faim, il fallait que je mange. Et donc, mon estomac était tellement dilaté que c'est pour ça que je grossissais, parce qu'il était, je mangeais trop par rapport à ce que je dépensais comme énergie. Et du coup, bah forcément, je grossissais. Et donc, pendant 10 ans, je me suis dit, il faut que tu fasses cette opération, il faut que tu fasses cette opération. Entre-temps, j'ai appris qu'il y avait d'autres styles d'opération, donc le bypass et la sleeve. Et ça a continué à me travailler, à me travailler, à me travailler. Et en fait, il y a quelques années de ça, donc il y a 4 ans, j'ai vécu mes grossesses très très mal puisque toutes mes articulations ont beaucoup souffert. J'ai pas pris beaucoup de poids pendant mes grossesses forcément, enfin forcément, non pas forcément, mais j'avais déjà du poids en rab, donc mes enfants ont puisé là-dessus, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me déplacer, j'avais des articulations, j'ai vraiment pris cher sur mes articulations. Et du coup cette idée d'opération est revenue encore plus forte. Jusqu'au jour où on était proche de Noël et j'étais avec ma sœur et mon chéri en train de faire les boutiques pour me trouver une paire de chaussures pour être jolie à Noël. Et je ne rentrais dans rien. Et je ne rentrais vraiment dans rien. C'est-à-dire que certains magasins vont jusqu'au 43 et je ne rentrais dans aucune des paires de chaussures. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais arrivée à 120 kg pour 1m72, donc je peux vous dire que mes articulations prenaient bien bien cher. Et en fait, je me suis retrouvée dans des magasins à essayer des vêtements, et à ce moment-là, les vêtements, enfin voilà, c'était des choses... Quand on est grosse, bien que maintenant les choses ont changé, et qu'on peut trouver de très très jolies choses quand on a du surpoids, c'était quand même assez difficile de s'habiller. Et donc à ce moment-là, je suis allée dans un magasin, et j'ai vu que des choses... On aurait dit que ça avait été créé pour des petites mamies. Et du coup, je me suis mise à pleurer de rage. Et je suis sortie du magasin avec ma soeur et mon chéri. Je leur ai dit, voilà, aujourd'hui on est samedi. Lundi, j'appelle le chirurgien et je veux me faire opérer. Cette année, je serai opérée. J'aurai une sleeve. Parce que j'avais déjà décidé que ce serait une sleeve. Donc voilà, il va de soi que je l'ai fait pour moi-même. Sans poser la question à qui que ce soit, sans me demander si c'était une bonne ou une mauvaise idée, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Et la première a été pour ma santé. Quoi que tout le monde puisse penser ou en dire, ma santé était la chose primordiale à laquelle j'ai pensé. Je ne voulais pas me réveiller un beau matin à 40 ans avec un arrêt du cœur ou ne pas voir grandir mes enfants parce que ma santé serait mise en danger par ce poids. J'en avais marre de ne pas pouvoir aller me promener avec mes enfants, ou de ne pas tenir longtemps debout, de ne pas pouvoir jouer, faire du vélo, ou enfin voilà. Toutes les choses qui sont plus compliquées, pas forcément infaisables, mais plus compliquées et plus fatigantes à faire. Et le facteur déclenchant, ça a été ce qui s'est rajouté avec cette histoire de vêtements. Donc il fallait que je remédie à ça et ça a été le déclic. Après y avoir pensé pendant 10 ans, je me suis dit ça y est, maintenant c'est le moment. Le chirurgien là où j'habitais et le chirurgien m'a reçu et en gros je suis tombée sur un chirurgien qui était vraiment pas sympa du tout. Et ce chirurgien là, il m'a vu rentrer dans son bureau et il m'a dit
à croire qu'il ne voyait pas passer d'obèse dans sa vie, et il m'a dit on fait pas une opération quand on a que quelques kilos à perdre. D'accord, que quelques kilos. Donc la fille, elle a en gros plus de 40 kilos à perdre, et lui, il dit que quelques kilos. Donc diplomatie, tout ça, il connaît pas. Bref, toujours est-il qu'il m'a dit que je ne serais pas opérée et que c'était pas la peine de compter là-dessus. Et ça a été vraiment, j'ai été anéantie par ça, parce que je me suis dit que si même le chirurgien dont c'était le métier me disait que c'était pas possible, c'est qu'il y avait un souci de perception et que j'étais pas comme ce que je croyais, ou que lui me voyait pas comme j'étais. Enfin bon, bref, le fait que je sois grande, je veux bien, je suis grande, mais ça excuse pas tout. Résultat des courses, j'ai arrêté. Et dans la même année, on a déménagé, donc on habitait à Digne-les-Bains, un petit trou perdu. Et on est venu réhabiter à Lyon. Et donc j'en ai profité pour refaire les démarches à Lyon, et je suis allée à la clinique de la sauvegarde, pour celles que ça intéresse. Et là, le chirurgien m'a dit, mais bien sûr, vous rentrez dans les cadres, votre IMC est au-dessus de 40, donc oui, on va vous opérer. Et là, ça a été le plus beau jour de ma vie, et le plus grand moment d'angoisse. Parce que, non pas que j'avais peur de l'opération, j'ai eu largement le temps de m'y habituer. C'est une peur panique de l'anesthésie. J'avais vraiment peur de ne jamais me réveiller, de plus jamais voir mes enfants. Donc j'étais vraiment paniquée, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu, et je regrette évidemment rien. Et je crois que si je dois me refaire opérer, je vais refaire le même stress. De toute façon, à chaque opération ou endormissement que j'ai eu, j'ai flippé tout ce que je pouvais. J'ai écrit des lettres à mes enfants en leur parlant à leur eux plus tard, quand ils seraient grands, tellement j'ai eu peur de plus jamais les revoir. Mais ça, c'est, on va dire, une phobie de l'anesthésie. Pour le reste, on ne peut mieux passer. À tel point qu'on est censé avoir des douleurs après pour l'évacuation des gaz, puisqu'on le fait sous célioscopie. Pff, moi, j'ai rien senti. Comme s'il ne m'avait pas opéré, en fait. Heureusement qu'après coup, je devais manger en très petite quantité, parce que sinon, j'aurais cru que... Sinon, je me serais dit, dis donc, docteur, t'es sûr que t'as coupé un bout de mon estomac ? Bref, voilà. Donc, depuis le 12 novembre 2013, je suis opérée de l'estomac. Et on m'a fait une sleeve. Alors une sleeve, en quoi ça consiste ? En fait, l'estomac forme un sac. Et donc il y a le œsophage, enfin le tuyau d'en haut là. Et ensuite, en bas, il y a l'intestin. Et la sleeve consiste à couper le morceau d'estomac en trop pour faire un estomac tout petit. Donc pour faire une ligne droite entre l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Et donc pour réduire les quantités de ce que nous mangeons. C'est l'opération qui me convenait le mieux, puisque c'est une opération qui est moins invasive qu'un bypass. Un bypass, il faut prendre des médicaments à vie, j'étais pas prête à ça. Pour moi, c'était l'opération qui allait me permettre de réduire mes quantités, mais qui n'était pas magique. C'est-à-dire que cette opération, elle me permet de perdre des kilos dès le début très vite. Elle m'aide à perdre tout ce poids que j'ai perdu à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, j'ai perdu 36 kilos. Mais c'est pas une opération magique. C'est un combat quotidien contre la nourriture. C'est pas un combat, disons. Non, c'est pas un combat. C'est un apprentissage. C'est-à-dire que pendant des années, on a mal mangé. On a mangé tout et n'importe quoi. On nous a dit des choses sur l'alimentation. Et il s'avère que maintenant, les études ont prouvé que ces choses n'étaient pas forcément vraies. La fille, elle ferme ses trucs. Et donc, cette opération m'a permis de perdre 36 kilos. Et sans ça, honnêtement, j'y aurais jamais réussi. Je sais maintenant que tous les régimes que j'ai faits, y compris celui d'avoir une alimentation équilibrée, ne m'aideront jamais à perdre du poids. Avoir une alimentation équilibrée, ça aide à garder son poids de forme. Une alimentation équilibrée, c'est primordial. Mais si on ne réduit pas les calories qu'on mange, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va faire qu'on va perdre du poids. À l'heure actuelle, je suis penchée sur la nourriture, sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Je suis en plein apprentissage. Et je fais ça aussi parce que je veux pas que mes enfants se retrouvent dans la même situation. Moi, je souhaite cette situation à personne. C'est pas dramatique, on peut vivre avec, mais honnêtement, c'est pas facile à vivre. C'est fatigant, c'est épuisant. Moi, je l'ai pas bien vécu. Et donc maintenant, il me reste encore... Dans l'idéal, j'aimerais arriver à 68 kilos, ou un peu moins.
Dans la réalité, je pense que si je perds encore 15 kilos, je serai ravie. Et je pèse aujourd'hui 85 kilos. Donc s'il me reste encore à perdre 15 kilos, c'est juste magique. Si je ne devais plus perdre de poids, ça m'ennuierait. Mais honnêtement, si je devais rester à ce poids-là, ce serait quand même formidable. Dans l'idéal, si je pouvais arriver à 65 kilos, ce serait parfait. Quoique j'aurais un petit peu peur de plus me reconnaître, peut-être un peu trop mince. Mais j'espère que le poids que je perds n'est pas terminé. En tout cas, je fais tout pour. Je réapprends à manger et à manger différemment. Et c'est de toute façon une attention de tous les jours parce qu'on doit faire attention à ce qu'on mange si on veut pas reprendre du poids. Et puis c'est bien aussi pour toute la famille parce que ça permet de manger correctement, de ne pas manger n'importe quoi. J'ai banni tout ce qui était préparation de supermarché, du gâteau au plat préparé. Enfin bon, bref, je prends vraiment en cuisine à la maison, surtout mon chéri d'ailleurs, puisque lui ça lui plaît beaucoup et que moi ça me plaît de moins en moins. Mais pas pour les raisons que vous croyez, ça ne me plaît plus parce que nous avons une plaque à induction et que je déteste la plaque à induction, pas parce que je suis en guerre contre la nourriture, au contraire. Néanmoins, maintenant que je suis opérée, je peux me faire de jolis plaisirs sans culpabiliser parce que je sais que je vais les manger en petite quantité et qu'ils ne vont pas porter préjudice à mon poids. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de ma sleeve. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se demande si ça vaut le coup d'être opérée. Honnêtement, c'est un choix personnel. Pour ma part, si je devais le refaire, je le referais 1000 fois. Même si j'ai peur de l'anesthésie. Voilà, cette opération, elle a changé ma vie dans le sens où maintenant, je peux aller. Je fais du sport. Non, mais moi, je fais du sport. Je fais du sport dans mon salon, je fais du body sculpt, je fais des abdos. Si on m'avait dit ça. Maintenant, je tiens le choc avec mes enfants. On peut aller se promener, on va faire des randonnées. Je souffre plus comme avant. Alors, certes, je souffre toujours parce que j'ai des problèmes de genoux et de dos. Mais ça, c'est parce que j'ai un corps en carton et que bah, je peux rien y faire. Hein. C'est comme ça, c'est la génétique. Mais en attendant, les douleurs ne sont plus les mêmes. Les douleurs ne sont plus aussi présentes. Les douleurs ne sont plus tout de suite quand je fais un effort. Je ne suis plus essoufflée. Quand je monte des escaliers, je peux courir avec mes enfants. Je peux faire plein de choses et ça c'est juste génial. Donc si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Je vais vous mettre quelques photos avant après que vous vous rendiez compte parce que forcément on se rend pas forcément compte du poids perdu. Vous pouvez vous en rendre compte si vous revenez bien en arrière sur mes vidéos. Les premières vidéos que j'ai faites, j'étais opérée, j'avais déjà perdu une quinzaine de kilos, mais on voit quand même bien la différence par rapport à maintenant. Je vous mettrai des photos avant après, vous verrez que ce changement est impressionnant. En novembre, ça a fait un an que j'ai été opérée. Et en fait, quand j'ai fait mon montage avant-après, j'ai pris une photo de moi et j'ai repris une ancienne photo et j'ai regardé cette ancienne photo. Et c'est comme si je la voyais pour la première fois. Je suis restée bouche ouverte pendant, je sais pas, un quart d'heure à regarder cette photo et en me disant, mais j'étais vraiment comme ça? Jamais de la vie, je ne m'étais vue comme ça. Pourtant, j'avais vu cette photo un million de fois, je m'étais vue dans le miroir un million de fois, mais j'avais jamais vu que j'avais atteint ce poids-là. Je m'étais pas rendu compte. Et donc, ça m'a fait un choc. C'est comme si j'avais ouvert les yeux pour la première fois sur ce qu'était réellement mon poids. Voilà. Donc, je tiens aussi à préciser que pendant toute la vidéo, je dis que j'étais grosse et que. Ça n'a rien de péjoratif pour moi. Je suis le genre de personne qui appelle un chat un chat. Et je ne vais pas dire que j'étais ronde parce que je ne suis pas une boule et on ne peut pas me faire rouler. Je n'étais pas ronde, j'étais grosse. J'avais du poids en trop. Je suis toujours un peu grosse, mais je le vis vachement mieux. Non, sans blaguer, j'appelle un chat un chat. J'étais grosse. C'est pas péjoratif, c'est un mot de la langue française qui veut dire qu'on est en surpoids. Être rond, ce n'est pas ça. Et je sais que je vais en choquer plusieurs, je sais que ça ne va pas forcément plaire, mais c'est comme ça que je parle de mon surpoids. Je ne n'oblige personne à faire de même, je souhaite simplement ne pas être jugée là-dessus parce que c'est ce que j'étais, c'est ce que je suis, c'est ce que.
Mais je pense que pour accepter qui l'on est et accepter ce poids que l'on a en trop, autant ne pas se voiler la face et ne pas dire je suis un peu ronde et dire je suis un peu grosse ou j'ai un peu de poids en trop. C'est ma façon de voir les choses. Je sais que ça peut ne pas plaire, mais c'est comme ça que moi je parle et comme ça que je fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je pense que j'ai fait le tour de la question. Du moins des petites choses que je voulais vous dire pour commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas aussi. Ça me ferait grandement plaisir de voir que certaines sont passées par là et partagent leurs expériences. C'est toujours enrichissant de connaître les expériences des autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous en voulez d'autres dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi que poser toutes vos questions. Je vous fais plein de gros bisous, les mes copines, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!